Tu n'as que deux choix durant ta vie. Soit tu te conditionnes toi-même, soit tu laisses les autres te conditionner. C'est l'affaire de chaque minute et principalement notre capacité à maîtriser nos pensées et nos émotions. Dans cette vidéo, nous allons parler de la maîtrise de soi. C'est une compétence essentielle pour atteindre les objectifs et vivre une vie qui reflète tes valeurs les plus profondes sans subir les conditionnements ambiants qui te font croire que tu fais des choix alors qu'il n'en est rien. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi la maîtrise de soi est essentielle et surtout comment y parvenir. La maîtrise de soi, c'est la capacité à contrôler ses émotions, contrôler ses pensées et aussi ses actions dans toutes les situations de la vie. Et c'est la meilleure voie vers la congruence. Alors, cela peut te sembler difficile, voire impossible, mais c'est en réalité une compétence qui peut être développée avec de la pratique, avec de la persévérance. C'est d'ailleurs cette compétence principale que nous enseignons dans notre école holistique de Solid Mind. Voici trois personnalités connues, vivant dans des sphères totalement différentes, qui ont réussi leur vie uniquement en développant cette capacité de maîtrise de soi. Et tu verras que leur histoire va te permettre de comprendre ce qu'elles ont utilisé pour atteindre cette maîtrise de soi et aussi te révéler les pratiques qui te permettent d'y arriver. Ça va totalement changer ta manière d'envisager les journées, du moins c'est ce que je te souhaite. J'ai choisi ces trois personnes car elles m'ont inspiré et m'inspirent encore dans mes actions et aussi dans mes choix du quotidien. Tout d'abord, Nelson Mandela, qui est un exemple classique de la maîtrise de soi qui l'a conduit à une vie réussie et aussi une vie inspirante pour des millions de personnes. Nelson Mandela était un homme politique, un Sud-Africain, qui a passé 27 ans en prison pour son opposition au système d'apartheid en Afrique du Sud. Pendant sa détention, il a été soumis à des conditions extrêmement difficiles, notamment l'isolement, la torture, la privation de ses droits les plus élémentaires. Et malgré ça, Mandela a réussi à maintenir sa dignité et son intégrité en utilisant la force intérieure et en s'appuyant sur ses convictions profondes. Il a développé une grande capacité de maîtrise de soi qui lui a permis de rester calme, concentré et résilient face à l'adversité. Mandela a utilisé sa maîtrise de soi pour maintenir sa dignité et son intégrité malgré les conditions difficiles de sa détention. Premièrement, il pratiquait du sport. Mandela aimait jouer au football et au tennis, même en prison. Il a en fait utilisé ses activités comme moyen de garder le moral et aussi de maintenir sa santé mentale, énergétique et aussi sa santé physique. En pratiquant des activités physiques régulières, il a pu garder son corps et son esprit en bonne santé. Et c'est ce qui l'a aidé à dépasser les difficultés de la vie en prison. Deuxièmement, il faut savoir aussi que Nelson Mandela était un grand lecteur et a profité de son temps en prison pour étudier l'histoire. Il a aussi étudié la politique et la philosophie. Il a également étudié l'Afrikaans, c'est la langue de la minorité blanche qui gouvernait l'Afrique du Sud à l'époque. En se cultivant, il a pu maintenir son esprit vif et aussi nourrir sa passion pour la justice et l'égalité. Il est nécessaire quand même de saisir que la lecture donne de nouvelles informations à ton cerveau, ça le nourrit, ça l'inspire, et en même temps ça élimine les fameuses boucles mentales qui te font rester dans une même énergie, poussant à l'inaction, poussant à la dépression, poussant aussi au scepticisme. Ensuite, Nelson Mandela était connu aussi pour son sens de l'humour, même en prison. Ça lui a permis de maintenir la force morale de ses camarades prisonniers, mais aussi la sienne. Si tu ne sais pas rire de tout et apprécier la joie, tu empêches ton âme de briller. Quatrièmement, Mandela a pratiqué la méditation et la relaxation spirituelle régulièrement pour maintenir sa paix intérieure et sa sérénité. En se connectant avec sa spiritualité, il a pu rester concentré sur ses valeurs et ses convictions et a trouvé en même temps la force de persévérer même dans les moments les plus difficiles. Et enfin, pendant son temps d'incarcération, Mandela a travaillé avec d'autres militants pour organiser la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a utilisé son temps en prison pour écrire des lettres, écrire des discours, écrire des documents stratégiques en communiquant avec ses camarades à l'extérieur de la prison. En organisant la lutte contre l'apartheid, il a maintenu sa dignité et son intégrité en tant que leader de sa communauté et en même temps a trouvé un sens à sa vie malgré les difficultés de la prison. Il a également travaillé à développer ses capacités à comprendre les points de vue de ses ennemis
et à trouver des moyens de travailler avec eux plutôt que de les combattre ou de les jalouser pour atteindre des objectifs communs. Donc, on va dire que Nelson Mandela a développé la maîtrise de soi par le sport, par la lecture, par l'humour, par la méditation et la mise en application d'une intention de vie. Après sa libération en 1990, Mandela a continué à utiliser la maîtrise de soi pour mener le mouvement de l'apartheid à une transition pacifique vers une société démocratique en Afrique du Sud. Et il a ensuite été élu président du pays en 1994, je crois, devenant ainsi le premier président noir de l'histoire de l'Afrique du Sud. Il est clair qu'il a inspiré des millions de personnes à travers le monde grâce à sa capacité à rester calme et concentré malgré des circonstances difficiles. Il a également montré l'importance de la maîtrise de soi pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Pour moi, en tout cas, sa vie est un exemple inspirant de la manière dont la maîtrise de soi peut conduire à une vie qui reflète nos rêves intérieurs. Ensuite, laisse-moi te raconter l'histoire d'Edith Piaf. Alors, au cas où tu aurais moins de 20 ans et que tu ne la connaîtrais pas, c'est une célèbre chanteuse française qui a réussi grâce à sa maîtrise de soi. Pour la petite histoire, Edith Piaf est née en 1915 à Paris dans une famille musicien ambulant. Elle a commencé à chanter dans les rues de Paris à un jeune âge et sa voix puissante et émouvante a rapidement attiré l'attention des passants. Malgré des débuts modestes, Edith Piaf est devenue l'une des chanteuses les plus célèbres et les plus influentes de son temps. Au cours de sa carrière, il est clair que Edith Piaf a dû faire face à de nombreux défis, notamment une santé fragile et des problèmes d'alcoolisme. Cependant, elle a maintenu sa maîtrise de soi et sa concentration sur sa passion pour la musique. Et en même temps, elle a travaillé dur pour surmonter ses difficultés personnelles et continuer à se produire sur scène. Elle a fait preuve d'une grande persévérance malgré les difficultés et a travaillé dur et dur encore pour pouvoir améliorer sa voix et sa technique musicale. En se concentrant non pas sur les difficultés, mais sur son rêve de devenir une grande chanteuse. Et là, elle a réussi à surmonter les obstacles et à atteindre le succès qu'on connaît. Il est clair qu'elle y est arrivée en développant une discipline à toute épreuve. Edith Piaf était connue d'ailleurs pour son travail acharné et sa discipline rigoureuse. Elle a consacré des heures et des heures et des heures chaque jour à la pratique du chant, à l'apprentissage de nouvelles chansons et à l'amélioration de sa technique. En se concentrant sur l'amélioration constante de sa musique, elle a réussi à atteindre des sommets du succès. J'appelle ça de l'immersion. Ensuite, elle a appris le contrôle émotionnel car il faut savoir que Edith Piaf a chanté avec une extrême sensibilité et sa voix, ses textes sont d'ailleurs puissants émotionnellement. Mais ce n'est pas tout. Elle a également appris à contrôler ses émotions sur scène. Elle savait comment rester calme même lorsque les choses ne se passaient pas comme elle avait prévu. Mais on va dire que quand elle était touchée par ses propres émotions, qui étaient issues de ses propres paroles, elle arrivait encore à contrôler ses émotions. En contrôlant ses émotions, elle a pu donner en fait des performances plus cohérentes et plus puissantes. Edith Piaf avait un don pour se connecter avec son public. Elle savait comment transmettre les émotions de ses chansons et les faire se sentir comme s'ils faisaient partie de l'histoire qu'elle était en train de raconter. En se connectant avec son public, elle a quelque part en fait créé une base de fans loyaux qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. Enfin, on va dire que Edith Piaf était passionnée par la musique et son art et elle a chanté avec tout son cœur, avec toute son âme et cela se reflétait dans chacune de ses performances qu'elle donnait. Elle a pu quelque part créer des chansons intemporelles qui ont touché et touchent encore d'ailleurs des millions de personnes à travers le monde. Il est clair que sa persévérance, sa discipline, son contrôle émotionnel, sa connexion avec son public et vivre sa passion quoi qu'il arrive pour la musique ont finalement conduit Edith Piaf à un succès immense. Elle a vendu des millions de disques dans le monde entier et a inspiré et inspire encore des générations de musiciens et aussi d'auditeurs et de fans. Elle est, en tout cas encore pour moi, devenue un symbole de la musique française et son héritage continue de vivre grâce à ses chansons intemporelles comme par exemple. Alors, je ne suis pas Edith Piaf, c'est sûr, mais je pense à... Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Ou encore cette chanson que tout le monde connaît, ou si vous ne connaissez pas Edith Piaf, maintenant vous allez la connaître, c'est... Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Voilà, donc, un petit moment de douceur. Merci Edith. Et puis, pour finir, il y a l'histoire inspirante d'un de mes maîtres à penser qui est Krishnamurti, un sage indien qui a inspiré, d'ailleurs inspire encore des millions de personnes à travers ses enseignements sur la spiritualité et la maîtrise de soi. Krishnamurti est né en Inde en 1895 et a été éduqué par la Société théosophique. C'est un mouvement d'ailleurs spirituel qui cherchait à promouvoir l'harmonie entre les religions et les cultures. Et en grandissant, Krishnamurti est devenu connu pour ses capacités spirituelles et a été reconnu comme un maître par de nombreux adeptes. Cependant, Krishnamurti a finalement rejeté les enseignements de la Société théosophique et a commencé à prêcher son propre message de liberté spirituelle et de maîtrise de soi. Il a alors encouragé les gens à se libérer des dogmes et des croyances limitantes et à chercher la vérité par eux-mêmes. Ses ouvrages les plus marquants sont « L'éveil de l'intelligence, le sens du bonheur », Réponse sur l'éducation et sa Bible, en tout cas pour moi, commentaire sur la vie. Krishnamurti a réussi son chemin de rebelle spirituel, de déprogrammateur de conditionnement et sociétaux, et aussi de croyances limitantes grâce à sa maîtrise de soi en restant fidèle à sa propre vérité intérieure et en ne cédant pas aux pressions des autres. Il a refusé de se laisser influencer par les pressions extérieures et a continué à suivre son propre chemin spirituel. Il faut savoir qu'il a dû faire face à des critiques, à des défis pour son rejet des enseignements de la Société théosophique. Mais il a su rester concentré sur son propre chemin spirituel et sur la vérité qu'il cherchait. Il a également montré une grande maîtrise de soi dans sa façon de communiquer avec les autres. Il était d'ailleurs connu pour sa capacité à écouter attentivement, avec bienveillance, et à comprendre les autres, même quand il était en désaccord avec eux. Et tout ça par sa manière de communiquer avec compassion et avec clarté, en utilisant des exemples simples et accessibles afin de transmettre ses idées. Grâce à la maîtrise de soi, qu'il a développée en restant fidèle à sa propre vérité intérieure, en ne cédant pas aux pressions extérieures, et en communiquant et en écoutant avec compassion, sans entrer dans aucun jugement, il est en fait devenu un symbole de liberté spirituelle et d'authenticité. Et d'ailleurs, sa sagesse continue d'être une source d'inspiration pour des millions de personnes aujourd'hui, moi y compris. Alors, que ce soit Nelson Mandela, Edith Piaf ou Krishnamurti, ils ont réussi leur vie car ils se sont connectés à ce qu'il y avait de plus sacré en eux, leur intention de vie, mais aussi leurs rêves. Ils ont pris conscience de leurs émotions et de leurs pensées et ont collaboré avec elles. Ils ont appris à les maîtriser et à ne pas se laisser embarquer par les bruits chaotiques à l'extérieur d'eux-mêmes. S'il n'y avait que trois mots à garder, ce serait la discipline, l'immersion et la concentration. Peu importe ce que tu désires, si tu vis ta vie, quel que soit le métier que tu veux exercer, quelles que soient les techniques que tu veux pratiquer, comme la relaxation, comme la méditation, comme la respiration profonde ou le yoga, sans discipline, sans immersion, sans concentration, tu tourneras en rond encore et encore. Il est absolument nécessaire de développer ta capacité à rester concentré sur tes objectifs et à prendre des décisions en fonction de ces derniers. Ça signifie que tu dois être conscient de tes priorités et savoir dire non aux distractions qui peuvent t'éloigner de tes objectifs et de tes intentions de vie. Pour conclure, la maîtrise de soi implique la capacité à gérer efficacement les situations difficiles et les conflits, ainsi que les crises existentielles comme celles que nous vivons à répétition depuis plusieurs années et qui vont augmenter de manière exponentielle. Ça signifie être capable de rester calme et concentré, de communiquer de manière claire et de chercher des solutions positives dans un monde qui tend vers une sorte de cacophonie émotionnelle et spirituelle. Comme tu le vois, la maîtrise de soi est un sujet passionnant, en tout cas c'est celui qui a dicté
ma vie. Et c'est pour ça que je me suis spécialisé dans la maîtrise de soi, mais aussi dans l'émergence spirituelle. Et donc, si la maîtrise de soi, la gestion de tes émotions, la collaboration avec tes pensées, la maîtrise et la compréhension de tes imaginations t'interpellent, je t'invite à venir t'inscrire à mon webinaire gratuit qui sera le jeudi 23 mars à 18h France, qui s'appelle « La maîtrise de soi ou comment modeler sa vie ». Donc, je t'invite dès maintenant à t'inscrire si toi aussi, tu veux atteindre cette maîtrise émotionnelle, cette maîtrise de ses pensées si importante dans nos vies.